Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est parti, je te présente la première vidéo d'une série de trois normalement qui aura sur notre périple qui nous a mené de Saint-Malo jusqu'à Angers pour participer au Nature is Bike avec nos vélos vintage et avec les sacoches que je fais moi-même sous le nom de Akao Design. Donc en gros, on a dormi dehors, on a dormi en camping, on a dormi dans des cabanes au bord de la Mayenne. Donc c'était vraiment génial, on s'est vraiment régalé, c'était un super trip, c'était la première pour Mimi en plus qui avait jamais fait de bivouac en vélo. Du coup ça nous a fait à peu près, avec la course on a fait à peu près 400 km en tout, aller-retour. On a mis une semaine, pour des raisons de temps justement à certains moments, à un moment on a pris le train pour nous avancer un petit peu et aussi parce qu'il n'y avait pas de piste cyclable. Donc voilà, c'était vraiment super beau, je te laisse apprécier. J'espère que tu vas kiffer les vidéos, j'espère aussi que cette vidéo, que cette série de 3 vidéos va t'inspirer pour toi aussi prendre ton vélo et aller profiter sans te prendre la tête, sans penser au temps que tu vas passer ou autre, mais vraiment juste kiffer ces moments de bivouac, de camping, manger dehors avec ton vélo, de faire des bornes, de découvrir des endroits de dingue. Vraiment la Mayenne, nous, ça nous a flingué, c'était trop beau. Bref, voilà, j'espère que tu vas apprécier et ben, je te souhaite un bon visionnage. Allez, salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti aujourd'hui. Ça y est, c'est notre grand départ pour tous les deux. Une semaine sur les routes pour aller jusqu'à Angers et revenir chez nous. Donc on va rouler, on va prendre un peu le train et puis surtout on va aller au Nature is Bike. On s'est inscrit pour la Gravel 50. Donc on a à diète, carrément sympa je pense. Et en attendant, on va bien profiter du paysage et on va vous emmener avec nous. Ça sera un vlog un petit peu différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Parce que là, je vais pas mal filmer en fait, il va y avoir beaucoup d'images. Donc voilà, bon, allez, on vous emmène avec nous. On va bien profiter, on va se faire plaisir. C'est parti, allez go! Bon bah ça y est, on vient d'arriver à Dinan, on est parti, donc bah vous l'avez vu, hein, sous la brume, et là grand soleil, il fait chaud, il fait carrément chaud. On s'est arrêté à Dinan, on a pris un petit, une pita chez, comment ça s'appelle, Colibri. Little Colibri. Little Colibri. Pff, franchement, allez, tu passes à Dinan, tu vas là-bas te prendre une pita et tu m'en diras des nouvelles, ça fait plaisir. Ouais. Du coup, on est bien rechargé là avec une petite bière. Bon, hein, fallait pas le dire, ah merde. Non, donc du coup on est bien rechargé et là on attaque la piste qui va jusqu'à Rennes. On va s'arrêter quasiment à mi-chemin, peut-être même avant, on verra. Parce qu'aujourd'hui c'est quand même l'anniversaire à Mimi. Oui. Donc du coup on y va très très cool, vraiment. Là c'est en mode découverte. En attendant on va profiter du beau temps et de ces kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables.
poser là. J'avais envie qu'on se pose à 4h30, mais on est arrivé à l'aire de bivouac et en fait ça nous plaisait pas en fait, c'était pas top top. Donc du coup on a vu qu'à 15 km plus loin, il y a un camping de compète. Et bon, comme c'est l'anniversaire à Mimi, on va se faire plaisir. Camping de compète, je crois que c'est 4 ou 5 étoiles. Bah, je crois qu'il a dit ça. On verra, je pense qu'on va en avoir pour une blinde. Mais bon, au moins voilà, on se pose tranquille, on est bien. Donc voilà. Donc ben 15 km encore là. Sur du chemin de halage. Trop bien. Ça y est, on est en train de remballer les affaires. Oui, on n'a pas trop filmé parce qu'en fait hier on voulait profiter. C'était là encore une fois, c'est l'anniversaire à Mimi. Donc on s'est posé, on est allé à la piscine et tout. Enfin, c'était le camping dingue. Vraiment, c'est un truc 5 étoiles, je crois. 4 ou 5 étoiles, c'est... on s'est fait plaisir. Voilà. Mais le prix, on a payé 20€ l'emplacement pour 2 sans électricité. Incroyable, t'as accès à tout le service, génial. On vient de remballer, on a dormi dans notre nouvelle tente, on a acheté une petite forclaz. Aujourd'hui, cool, on se fait 27 km parce qu'en fait on y va vraiment cool parce qu'on a des étapes à respecter par rapport aux petites réservations qu'on a fait sur les campings. Donc on remballe et on repart sur la route. Trouver une petite boulange histoire de se prendre une petite tarte aux pommes. Et puis bah allez, hein, c'est parti, hein. Go. On s'est posé juste ici là pour manger tout simplement. On a trouvé une espèce de mixture vegan là. Le nom tu l'as pas en tête, non? Non. Bon, je vous mettrai ça de toute façon en lien dans la description. C'est génial ce truc. On essaiera de vous montrer le sachet parce qu'on en a encore. Ça dépanne carrément en bikepacking. En fait, ça te permet d'avoir de la viande vegan, on va dire. Dans ton vélo, c'est sec, tu mets de l'eau dedans et t'as un truc, c'est génial. Bref, je vous montrerai ça plus tard. Donc là, on continue, le camping il est pas loin, il est à 12 km. Mais j'ai un doute sur le camping, vu que déjà on n'arrive pas à appeler le numéro et que visiblement la mairie elle est fermée, donc on va voir sur place. À ce moment-là, il faudra vite anticiper, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Bon bref, on verra. En tout cas, en attendant, on a de la super piste là encore. Ouais. On va passer un étang et tout, je pense que ça va être carrément joli. En tout cas là, pour moi, c'est vraiment...
on a trouvé une aire naturelle de camping. Un peu de poussière sur la GoPro. On a essayé d'appeler la mairie. J'ai laissé un message, tout ça et tout. Donc on verra demain matin. On va s'installer. Et puis je pense que de toute façon, ça ira très bien, quoi. On va se mettre là, tranquille.